Yo les gars, c'est Ruyan. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Franchement là je suis très bien parce que dans le dernier épisode on a gagné nos 3 derniers matchs, notamment en Ligue Europa. On a réussi à gagner 4 buts à 1, même si c'est vrai qu'on s'est pris un but en fin de match. Mais 4 buts à 1 à l'extérieur, donc on est bien parti pour aller se qualifier en 8ème de finale de la Ligue Europa. On avait gagné aussi en championnat contre Brest 4 buts à 1 et en coupe on avait réussi à battre Lille alors qu'on avait l'équipe B. 3-2, on se prend un but à la 89e, on égalise à la 90e et on marque en fin de match ou je vois un truc du genre. Enfin vraiment épisode de ouf. Alors qu'avant on était pas trop en confiance, on avait fait un nul, on a battu l'OM aussi, ça va. Non ça va, non c'est vraiment là, cet épisode là. La défaite, on l'a en coupe, la défaite, Rennes défaite, enfin, là, on avait fait enchaîner 3-4 défaites d'affilée en championnat. Là on a un peu repris, on a repris tout ça, du coup là, on est pas mal. On est quatrième à 3 points de la 3ème et de la 2ème place. C'est assez serré, hein, vraiment entre la 2ème et la 6ème place, ça joue à très peu de points. Du coup, dans cet épisode, on va jouer le Stade de Reims en championnat. Je pensais mettre l'équipe B, mais vu qu'on a pris un très gros avantage en Ligue Europa, je vais mettre l'équipe type et je ferai tourner contre Francfort en espérant bien sûr que je craque pas. C'est un risque, mais je prends ce risque. Et derrière, en coupe, je mettrai l'équipe type encore contre Reims en plus. Parce que c'est un quart de finale de Coupe de France, donc il y a moyen d'aller en demi-finale. Donc là, je vais éviter de faire trop tourner parce que j'ai envie d'aller. Pourquoi pas au bout, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, du coup on va partir. L'équipe est un petit peu fatiguée au milieu de terrain. Je vais voir si je ferai pas des changements. On va regarder tout ça. Du coup, on est parti. On va mettre le maillot domicile. Hop, du coup la compo. Devant, ça va rester comme ça. Ça fonctionne bien. Traoré, oui. En défense, ok. Peut-être Cabaye qui est un peu fatigué. Ouais, on va mettre Asandius. Merde. On met Asandius à gauche, voilà, il était plutôt pas mal en ce moment, donc on va le mettre. Comme ça, Cabaye aura le temps de se reposer. Donc du coup, on est parti. Ah, je vais juste regarder sur le banc, est-ce que j'ai bien tous mes joueurs. Parce que je pense que je ferai les changements vu qu'il y a de la fatigue. Ouais, non, on va laisser comme ça. Du coup, on est parti les gars pour les meilleures actions de ce match. Victoire obligatoire, on met de la pression sur nos poursuivants. Du coup, let's go. Avec Nordin, on essaie de centrer et dommage, il n'y a personne. Mais ça revient sur Colo, on met la pression. Il va jouer ça. Avec Wabi Kazri, c'est pas fini. Ah, dommage les gars. Première occasion. Un beau travail, on met une petite pression. Wabi Kazri là qui fait une belle frappe. Oh, attention Rodriguez, le centre, non. Dégage. Oh putain, non. Ah c'est pas... Ouais mais non, j'ai voulu dégager et le problème c'est qu'il a taclé. Oh c'est pas possible les gars, non, pas comme ça. Même j'ai dégagé, c'est contré. Voilà, là je vais redégager mais il a taclé. Je rate le ballon, ouais. Putain, fais chier. Oui Ruffier, magnifique. Et oui Ruffier. Yes les gars, c'est mérité. Même s'il y avait pénalty, ça aurait été triste de se prendre un but comme ça. Super Ruffier. Allez là, faut que ça nous donne la confiance. Si on ne trouve pas but derrière, parce que sinon on fait tout ça pour rien. Non, c'est bon, bien joué. Allez, Asandius. Pas trop de solutions. Oh yes, il fait plaisir cet arrêt là. Franchement, ça réveille un peu. Mais pourquoi pas marquer derrière. Jouer à Land, super avec Traoré. Oh, Traoré, bien joué. Villa, le centre retrait pour Haaland. Et le but. L'ouverture du score de Haaland. Et oui, on était tout près de se prendre un but. Ruffier qui arrête le péno. Et derrière ma recrue Haaland qui marque en ce moment. Super travail de Traoré. Envia le centre retrait et Haaland du mauvais pied. Mais est-ce qu'il a vraiment un mauvais pied? On sait pas. Ça fait 1-0, 21ème minute de jeu, premier but pour Lyon Ligue 1. Après son doublé en Europa League, plus son, il avait marqué en Coupe de France aussi. Donc ça doit être son quatrième but chez nous. C'est plutôt pas mal, attention. Oh attention, la passe est magnifique. On reste concentré. Colo, Ruffier. Ouh, c'était chaud les gars. Oh, putain, je dois la garder, je dois pas la perdre là. Il va centrer, Perrin. Bien joué Perrin, Villa touche là. Oh c'est chaud, on est mis sous pression, on a parlé Rémois. Oh, c'est contré par Colo. Et l'égalisation de Souk. Oh, fait chier. Ah, c'était un peu le souk dans la défense. Là. Hyper drôle. Ah, fait chier. C'est pas vraiment. Enfin, ouais, en vrai, c'était hyper serré comme match. Et là, ils égalisent. Ils ont un peu de la réussite. Parce que, ouais, il y a une frappe contrée. Du coup, bah, Ruffier était plus.
était plus dans ses buts, enfin il était par terre quoi. On a l'impression qu'il a 80 ans la souk là avec ses cheveux là. Visiblement la mi-temps, faut pas se prendre un but dans l'autre côté. Non c'est bon la passe est pas bonne, j'avais sortir, fait sortir Riffy de toute façon. Siffle. Voilà, mi-temps, un but partout. On a réussi à ouvrir le score grâce à Land, juste après un pénalty arrêté, mais voilà, deux tirs. On est assez réaliste. Mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont vraiment bons les Rémois, hein. Franchement ils mettent beaucoup en difficulté. Perrin qui a déjà un jaune, il a fait une faute tout à l'heure, j'ai eu peur d'avoir un deuxième jaune. Même s'il n'y avait pas vraiment faute, mais il avait comme sifflé faute. Et du coup ça fait un but partout, il va falloir essayer de faire mieux parce que on, sérieux c'est un match qu'on doit gagner avec l'équipe type. Oh là l'enculé. L'enculé, non. Vas-y, bien joué Colo. C'est un match qu'on doit gagner avec l'équipe type à domicile contre Reims, franchement on a aucune excuse. C'est que t'as avec peu de ballon mais il faisait 40 kilos. Ballon t'es costaud en plus, tu fais 1m93. Ah putain. Mais ouais, mais non, on n'a pas le droit les gars. Tout part de la perte de balle d'Aland, il a pas le droit Aland. Sérieux, c'est n'importe quoi, Aland il fait 1m93, plus de 90 kilos. Et je sais pas ce qui a récupéré le ballon, mais le mec il était pas très costaud du tout. Et... Oh, puis l'une, deux, ouais, défensivement c'est très mal défendu. Ça fait 2 buts à 1. Là c'est compliqué les gars, là c'est compliqué. Oh mais Aland. Mais y'a pas faute, relève-toi là, sale fils de pute là. Pardon, je me suis un peu emporté. Oh là là. Pff, n'importe quoi. Et voilà, 3 buts à 1. Franchement, c'est incompréhensible le mode légende. Je joue Francfort qui est censé être meilleur que moi, je lui fous une branlée. Et là, je joue contre Reims à domicile avec la même équipe à part Sandius pour Cabaye. Mais là, pff, c'est incroyable. Mais perds pas, Deuce. Deuce, il est à côté de son match. Clairement, Deuce. Et j'ai dit avant le match, tu vois, mettre Deuce à la place de Cabaye, ça changera rien. Mais au final, on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Alors, je dis pas qu'avec Cabaye, on aurait gagné ce match, tu vois, mais. Mais. Peut-être que ça va changer quelque chose. Mais du coup, ouais, mais c'est chaud aussi, le mode légende. La Reims, c'était le Barça. Et. Ah, bref, c'est comme ça. Faut passer à autre chose maintenant. Sous classe à la Ligue Europa, et là franchement, même si on a gagné 4 ans match aller, je suis pas confiant du tout contre Francfort, j'ai un peu peur. Mais bon, gros, on est à domicile, ouais, faut se qualifier quoi, faut se qualifier. Du coup, on est parti les gars, on va perdre plus de temps, mais là l'objectif c'est de se qualifier, même si on gagne pas ce match, on s'en fout, tu vois. Je vais mettre Bachic du coup, ouais, Saliba, Mkoudi, Debuchy, Silva, Youssouf, on va mettre Aoulou, Oudin, Beric avec. Boisdou et Bonga. Voilà, on va partir comme ça. On va juste mettre Boudbou sur le banc, je le ferai rentrer. Et voilà, on va partir comme ça les gars. Avec l'équipe B, je compte sur vous pour faire un gros match, pour essayer de montrer autre chose. Et puis la A va faire un match de merde, donc si vous faites des bons matchs, vous pouvez peut-être des... moins de gratter des points. Du coup, let's go. Il y a peut-être un coup à jouer là-bas. Avec Boisdou. Oberich, remets lui. Allez Boisdou, allez Boisdou. Oh oui. Oh Boisdou. Oh Boisdou. Magnifique. Et ça part sur un dégagement de Bachic. Et derrière Beric qui met une galette à Boisdou qui prend de vitesse la défense de Francfort. Et ça fait 1-0 le match. Et plié. Parce que là il doit marquer 4 buts maintenant Francfort. Donc au final je suis meilleur quand j'ai une équipe moins forte et c'est bizarre. Mais c'est un peu comme Wasbourg. Wasbourg on a mis l'équipe C avec Tchetchi Boisboa. On a mis enfin que des joueurs qui jouent jamais. Et on avait réussi à battre Wasbourg, on a fait un super match donc. Là par contre il y a un coup à jouer là-bas, il y a un coup à jouer avec Boisdou. Super Bachic. Allez Boisdou. Allez Boisdou, t'as pas trop de solutions. Tu te débrouilles si c'est bon, là t'en as. Oh Beric. Oh le poteau de Robert Berry, là c'est la barre je crois. On n'a pas de réussite. On n'a pas de réussite là, c'était une magnifique action, encore Bachic. Les deux grosses occasions viennent d'un dégagement de lui. C'est pour Beric. Là c'est pour Boisdou. Boisdou. Quel arrêt. Quel arrêt du gardien. Ah Banga, Beric, Boisdou. Là ça a très très bien fonctionné. Oh la frappe elle partait en lucarne. Franchement elle partait en lucarne. Et Grimaud dans le corner. Mkoudi. Non. Oh, attention de l'autre côté. Attention de l'autre côté. Attention de l'autre côté. Encore, encore. Oh, oh Bachic. Incredible. Quel gardien.
Peut-être qu'il y a team le 1-2 avec Abby. Abby, magnifique. Et oui, les gars, Saint-Etienne montre que ce sont des grands d'Europe. Et oui, on a explosé Francfort. Ça fait 5 buts à 1. Non, 6 buts à 1 en tout. Et mes deux pépites du centre de formation, les deux qui ont marqué en finale de Gambardella l'année dernière. Benkedim et Abby, le 1-2, il est magnifique, très belle action. Et Abby qui finit du mauvais pied. Oh, il y a Moukoudi qui est là. Oh, Moukoudi. What? Non? Oh, bah chic. De toute façon, il sera là dans tous les cas. Donc. Incroyable. Abby. Ouais, mais là, on a la réussite encore une fois. C'est encore corner. Donc, je sais pas si c'est le gardien qui l'a arrêté, le défenseur. Je pense que c'est le défenseur. Attention, près poteau. Moukoudi. Oh, bah chic. Ah, ouais, voilà, il est pas rien. Ouais, mais là c'était obligé qu'au bout d'un moment ça rentre, mais encore une fois il fait la parade d'Achich. La seule fois où il est trompé, c'est parce que bah, il est plus dans son but. Enfin, le mec il célèbre, ça fait 6-2 au cumulé, donc tranquille. Hein. Et là encore il fait une fois la parade, elle est magnifique. Hein. Après, forcément il n'y avait plus de gardien, mais. Donc voilà, ça fait 2-1. En tous les cas, on gagnera le match, donc c'est magnifique. Dernière action du match. On se prend pas de but, on se prend pas de but. Ouais, siffle là, ça fait 2 minutes que finit, Tassian est fini quand même. Il compte siffler un jour ou pas? Gros, ça fait 3 minutes que Tyson est fini, voilà. Bon, c'est terminé. Victoire 2-1 avec l'équipe B. Franchement, très content du match. L'homme du match, on va le voir. Mais moi, j'ai une petite idée. Non, c'est pas Beric. C'est Bachik, les gars. 11 parades. Il m'a fait 11 parades. Il est incroyable. Oh, il est monstrueux. Le nombre d'arrêts qu'il m'a fait, il m'a sauvé. Franchement, tout le monde a été bon. Benkedim, Abby, quelle rentrée. Beric, oui, il a fait un très haut match. Bonne vous aussi. Ouais, je commence à fatiguer. Rennes qui gagne 3-1, donc je sais pas combien. Je sais plus comment ils ont fait au match aller, Rennes. Mais du coup, normalement, ils devraient être qualifiés. Mais en tout cas, 6-2 au cumulé face à Francfort, c'est énorme. Grosse performance de notre part. Donc, franchement, très content. Match décalé, dotation de compétition. Merci. 500 000 balles, ça fait toujours plaisir. Du coup, on avance. Pour le prochain match, les gars, face à Reims, encore une fois, donc là, on a une revanche à prendre. On va vraiment essayer de jouer ce match à fond. Sélection poste de capitaine. Mais c'est Perrin, mon capitaine. C'est juste qu'il n'est pas dans l'équipe type. Dans l'équipe type, c'est Perrin. Dans l'équipe B, quand il y a Ruffier, c'est Ruffier. Quand il n'y a pas Ruffier ni Perrin, c'est Debuchy. Ce qui est plutôt logique. Donc, du coup, on va partir comme ça, les gars. Bim. Merde, j'ai oublié de mettre l'équipe type. Fait chier. On va refaire ça, hop, ça prend 30 secondes, même pas. Ah, donc là, vraiment, on a vraiment une revanche à prendre. Hop. Donc là, en demi-finale, ça peut être pas mal après. Hein. Mais je pense qu'on risque d'affronter Lyon ou Marseille. Marseille en demi, je pense, ou Lyon en finale. Donc ça va être très compliqué d'aller la gagner, mais bon. Du coup, Kaba qui retrouve sa place titulaire, ça va faire du bien. Voilà, c'est l'équipe type. Voilà, l'équipe est là. Du coup, c'est parti. Première action de ce match. Go se qualifier en demi. Let's go. Ouais, Haaland a conduit 2 balles, c'est vraiment pas son point fort. Hein. Bon, mi-temps, 0-0, c'est un match très serré. Franchement, Reims, c'est très costaud. Prolongation, Monaco-Rennes 3-3, oula. Ouais, il y a que des bonnes équipes après. Hein. On a fait un tir, ouais. En vrai, c'est pas un match nul que ça, parce que ça joue beaucoup mieux de terrain, ça joue... Voilà, mais on défend bien des deux côtés, donc c'est très compliqué. Reims, c'est très costaud, hein. Franchement, ils sont que 12-13e, mais j'ai un peu de mal à comprendre, parce que franchement... Bah quand tu galères une fois, ok, mais là ça fait deux fois. Hein. Et franchement. Oh, bref. Du coup, on va se concentrer. C'est une quart de finale comme ça, ça peut jouer sur les détails. Donc, on va rester concentré à fond. J'ai réussi. C'est quoi ce passe? J'ai réussi. Trop cool là, t'as lâché ton joueur. Hein. Attention. Allez, faut qu'on gagne le duel. Bien joué. Nardin. Non. Bâtard. Putain, ils sont réalistes. Ces putains de Rémois là. Ils me cassent les couilles. Mais ouais, je perds le ballon avec Nardin parce que je fais un transversal. C'est contré. Fais chier quoi. Oh la passe. Oh la passe est mauvaise. Ok, bye. Vas-y, Haaland. Applique-toi. Oui. Bien joué à Londres. Enfin les gars. On est obligé d'attendre une relance 4. Mais pourquoi il est au carré moi? C'était une attaque de folie ou quoi?
Ça fait, on s'en fout, on prend les gars. Bien joué Haaland, c'est ton combien de buts en Coupe de France? Son deuxième, bien joué. Allez les gars, ça sent les prolongues. Ah le bâtard, cette fois-ci on n'a pas pu aller au bout. On fera des changements à la fin du match du coup. Oh la récupération, mais putain ils font que des relances catastrophiques. Au cabaye, au cabaye. Oh l'arrêt, cabaye qui était pas loin de m'offrir la qualif là. Allez le corner, cabaye. Oh la tête de Colo, elle était magnifique. Allez on tient, on prend pas de but. On va en prolongue. Je vais pas une tir. Ah non, bah pas bien joué en fait. Oh non. Oh non, attention. Ruffier. Oh pourquoi j'ai fait sortir Ruffier? Pourquoi j'ai fait sortir Ruffier? Moi j'ai bien fait. J'ai bien fait. C'est très risqué encore. Hein. C'est pas le moment de se prendre un but. C'est pas le moment de se prendre un but. On a pas fait tout ça pour rien. Donc bah il faut pas perdre là. Faut pas perdre là. Oh, hors-jeu, faut, on est chaud. Ouais, dégage, c'est fini de toute façon. Oh putain! Oh là là, Kazri, il a remetté à l'ombre, c'était but. Et bon, toi, ça a été fini. Du coup, prolongation. On va peut-être faire les changements parce qu'il y a vraiment beaucoup de fatigue. On va mettre Boadou à la place de Kazri qui est fatigué. Faut sortir Nordin pour Bouanga. Et on va mettre Youssi à la place de Kabaï qui est cuit. On fait nos trois changements pour ces prolongations, les gars. Il faut tout donner. Il faut se qualifier pour la demi-finale. Ce serait sympa de, comme de jouer une demi-finale. Ce serait pourquoi pas d'aller en finale. Hein. Comme on n'est pas là, faut déjà se qualifier. Vas-y, pars Traoré. Il est cuit, Traoré. Il est cuit, franchement. Il court tellement. Ah ouais, ouais. Il passe moins facilement. Il est tellement fatigué, le pauvre. Mais bon, Nordin est aussi fatigué, donc il fallait faire un choix. Je préférais Luc Nordin, voilà, magnifique Traoré. Magnifique grand. Allez à Londres. Allez à Londres. Oh à Londres. Oh à Londres, boum. Oh magnifique. Le doublé de Haaland. Quel but. Quelle frappe du pied gauche. Oh là là, j'y m'attendais tellement pas. Boum. Oh la lucarne. Oh la lucarne de Haaland. Oh elle est magnifique. Oh elle est magnifique. La grosse cacahuète en lucarne, le gardien peut rien faire. Ça fait 2 buts 1, on prend l'avantage. Maintenant faut tenir, on va mettre ultra défensif. On s'en fout. Faut tenir. Et non, c'est dans l'action, voilà, mi-temps, on tient. On tient, attention au centre. Bah oui Colo, bien joué. Et voilà, c'est la mi-temps. On mène 2 buts 1 grâce à Haaland qui a mis un but magistral. Dans les stats, on va regarder les stats, ça j'ai pas regardé. Ouais, 3 tirs les gars, on mérite de gagner, on mérite de gagner les gars. En plus avec la rentrée de Boadou, de Jussé et de Boadou, de Jussé et de Bouanga, enfin ça fait du bien, ça met un peu de fraîcheur. Même si Bouanga il a pas eu de ballon pour l'instant, mais là il y en aura un peu plus dans cette deuxième mi-temps. On va, faut pas la perdre, faut pas la perdre. Faut pas la perdre, faut pas la perdre, trop court. Bien joué. Non, c'est la dernière action du match. Dernière action du match, là, c'est fini. Pas se prendre un but maintenant. Non. Perjure Ruffier. Super Ruffier là, qui me permet de, pour l'instant, me qualifier, mais il reste encore un corner. Il reste encore un corner. Allez, les gars, costaud, 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 costaud. Boum. Sif. Yes, c'est bon. On est qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Que ce fut difficile. Merci à Haaland qui m'a mis un doublé. On va revoir surtout le deuxième but, moi j'ai bien envie de le revoir. Ce but magnifique de Haaland, les passements de jambes, il rentre dans la surface et là, une grosse menace pour mes poteaux. Franchement, magnifique. Donc, du coup, qualification en demi est méritée quand même. Même si Reims, c'était, franchement, c'est une belle équipe. Hein. Très belle équipe de Reims. Et du coup, on termine cet épisode plutôt pas mal, même si on a perdu en championnat. Et là, ça reste en travers de la gorge. Du coup, Monaco est qualifié. Donc après il reste plus que Saint-Etienne, Monaco et peut-être Marseille-Lyon. Donc ce sera que des grosses équipes franchement. Après forcément quand il est dans le dernier carré c'est logique hein. Du coup en championnat on est passé 5ème les gars. Aïe aïe. Il va falloir absolument battre Bordeaux. Comme ça on peut revenir à la hauteur de Lille. Mais bon
Ah non, ça va, Lille, ils ont perdu du coup, parce qu'on a toujours 3 points de retard sur eux. Marseille, par contre, a gagné. Ouais, Marseille, ils sont pas mal du tout, Marseille. Bref, les gars, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va vite faire regarder le calendrier pour le prochain épisode. Hop. On se tape Séville. On se tape Séville! Et ben, on aura déjà Séville dans le prochain épisode. 1, 2, ouais. On aura juste le match aller. Est-ce que c'est à domicile ou extérieur le match aller? Je préfère qu'on soit à l'extérieur et c'est à domicile. On va regarder le 8ème. Dynamo Grenoble Standard. Rennes Benfica. Borussia Mönchengladbach. Borussia Dortmund. Donc, ça, c'est gros match de derby de Dortmund. Cette moment où une altered rate a fait PSV Juve. Donc voilà, non, on joue que des bonnes équipes. Même s'il y avait, il y avait meilleur tirage, mais il y avait pire. Hein. On a évité les United, les Dortmund. Donc voilà, mais ça, c'est un match très compliqué qui nous attend. Donc on verra ça, les gars, dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire pour vous qui a été le joueur de cet épisode. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian, ciao.